Ouais, c'est un film, ouais, c'est une vidéo que je prends. D'abord, c'est un film. Ouais, je fais une vidéo là que. Sur la vie à Strasbourg. Voilà, ouais. Vous n'êtes pas d'ici? Si, je suis de Strasbourg, mais j'ai perdu le permis de conduire. Maintenant, je suis obligé de prendre le bus. Parce qu'en fait, il y a eu un retrait de 6 mois. Qu'est-ce que vous avez fait l'exemple? J'avais un petit peu. D'abord. Ouais. Ouais, alors, non, j'ai été viré, je suis au chômage, et puis voilà. Ça fait 2 semaines que c'est comme ça. J'avais un petit peu vu, mais comme j'avais mal au dos, je bougeais un peu dans mon camion et j'ai un peu zigzagué sur les lignes blanches. J'ai eu de la malchance, j'avais la police derrière moi. Ils m'ont arrêté et puis. Donc c'était ça? Ouais, mais en fait, c'était pas que j'étais ivre. Parce que, en fait, c'était que j'avais mal au dos, je bougeais dans mon camion. Alors vous n'avez plus de permis? Pendant 6 mois. Il faut refaire? Ben en fait, j'ai 6 points en moins, mais normalement je peux avoir une restriction si avec le machine ballon ou alors
un retrait de 6 mois, mais je suis pas obligé de repasser. C'est-à-dire, c'est le retrait, mais c'est pas repasser. Stationnement est trop difficile en ville, alors je préfère venir avec le bus. Ah ouais, ouais. Je viens d'à côté de la cité de Lille, là dans le quartier. Ah ouais, ouais. Vous n'avez pas le permis ? Ah si, si, si. Bon, moi, ça fait au moins 10 ans que je n'ai pas pris le bus, tout ça. C'est, depuis que j'ai perdu le permis, maintenant. Ben... Maintenant, j'ai le permis, mais je n'ai jamais été dans une auto-école. Et je n'ai jamais eu d'accident. Moi non plus. Moi, j'ai été dans une auto-école, mais j'ai jamais eu d'accident. Mais vous avez passé à l'armée, alors ? Non, non. Je l'ai passé comme ça, dans les rues de Strasbourg. Mais je ne suis pas d'ici. Je suis de Franche-Comté. Et là-bas, on avait les jeeps de l'armée américaine, après la libération, ouais, qui servaient aux travaux agricoles, à ramasser les pommes de terre, cueillir les pommes, etc. Et alors, c'est comme ça que j'ai... Ah ouais. Et vous n'avez pas besoin de passer le permis ? Ah ben si, j'ai passé le permis. Ah oui, ah j'ai oui. passé le permis. Ouais. Mais j'ai été présenté par une auto-école, il fallait deux leçons. J'ai payé deux leçons. Ouais. Et puis, c'est pas de quoi ? Puis j'ai eu la bonne licence. T'as eu la licence ? Oui. Bon, moi, je suis pas trop habitué au transport en commun. Ouais. Maintenant, il faut que je m'habitue pendant 6 mois. Photographier des rues de Strasbourg. Ouais. Moi, je suis de Marlemagne. Ouais, bah, c'est l'université. Ah bon. Ouais. Mais j'aime bien filmer Strasbourg. Et ça enregistre tout le film, tout ouais, le film. Ouais, ouais, ouais. Là, ça enregistre tout. Non, moi, je sais à peine l'utiliser. Ah bon ? Et j'ai une peine terrible à répondre. Je dois rappeler celui qui m'a appelé parce que je n'ai pas réussi à avoir un collectif. Bah, en fait, des fois, il y a des personnes, ils n'arrivent pas trop à comprendre comment ça fonctionne, alors que c'est très facile.
Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas les téléphones, les smartphones, et ils ont beaucoup de mal à comprendre, alors que c'est facile, c'est pas sorcier. Non, non, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre. Ouais. Oui, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi avec. Bah en fait, maintenant, ils ne font plus de mode d'emploi, les smartphones, même les téléphones, parce que normalement, pratiquement tout le monde sait, on sait instinctivement. C'est instinctif, alors il faut les oublier. Dans le temps, ils faisaient des modes d'emploi. Mais ma mère, elle a 83 ans, elle a un smartphone, c'est moi qui lui ai expliqué. Elle filme aussi, elle va sur WhatsApp, tout ça. Elle est geek comme une ado. Dans votre camion? Bon, moi je transportais tout dans mon camion. Vous êtes chauffeur livreur? Je suis chauffeur semi-remorque. Ah, semi-remorque, ouais. C'est difficile? Non, une fois qu'on a l'habitude, c'est facile. Mais c'est vrai que quand on est un débutant, pour lui, ce serait peut-être difficile. Mais moi, je suis chauffeur depuis 97, j'ai l'habitude. Et 2004, super lourd. Et qu'est-ce que je veux dire, vous transportez? En fait, j'ai beaucoup changé d'entreprise, mais là, actuellement, avant, j'étais chez une entreprise, je partais toute la semaine. J'allais à Bordeaux, à Paris, à Lille, à Rouen. Vous rentriez au bout de la semaine? Au bout de la semaine. Le lundi matin, vous rentriez, ouais. Le vendredi? Ouais. Ouais, des fois, je partais le dimanche, je rentrais le samedi. Et des fois, j'étais bloqué le week-end et puis je rentrais deux semaines après. Mais c'est un métier dur, ça. Bon, en fait, c'est dur. Tout est dur quand on n'a pas l'habitude, parce qu'une fois qu'on a l'habitude, c'est vraiment dur. Yeah.
Strasbourg, c'est de ce côté-là ou ce côté-là? Non, le côté de Strasbourg. Dans le bus, hein. On est Oui, les orchidées, vous savez où c'est? Je regarde sur internet, c'est peut-être là que je dois sortir.